Et bonjour! Quel enfer! Du coup, on est de retour ici, hein! Et on va continuer les aventures de Xephros! Alors, préférez trouver quelque chose avant, pour vous protéger avant de descendre dans votre. Dans l'inconnu violent de votre propre nid. Sûrement une arme que vous. Quoi. Alors peut-être que si votre couleur est vraiment propre, les drones vont arrêter d'essayer de brûler votre quartier et vous tuer. Ah, il y a un Mouxi. Ah oui, il y a ce ressemble. Donc apparemment, il faut sortir machin. Ce sera un moyen de du coup le sortir. Ouais, c'est vrai. Ah putain. Ah, il a sorti une petite cuillère. L'entraînement était presque quasiment dit quoi. C'est la voix du sang bourgonde. Votre esprit le plie avec la pulsion, la puissante pulsion de votre de vos pouvoirs télékinésiques phénoménaux. Et vous pliez une petite cuillère d'argent sans même utiliser vos petits doigts de larve. Ah, vraiment un gros. Je suis vraiment un gros. Un gars dur. C'est très parti. Un vrai gars, voilà. Bref, peut-être emporter ça au cas où. Au cas où vous croisez une soupe pliée. Putain, j'avais pas entendu, mais on entend les couinements quand on glisse sur le sol tellement c'est ciré. Je suppose qu'il faut faire ça. Alors, vous essayez de coincer la cuillère pliée entre le trou et le mur, là, et... Ouais, vous avez eu la biabatte, cette... Ah, ça passe quand même pas mal lourd, Fax Wallop. C'est surtout quand Alnibou et il y a la craie, c'est que c'est vous qui la portez quoi. Je pense que ça veut dire effectivement ça pèse son poids quoi. Et c'est effectivement ça que ça veut dire. Ah non. Ouais, c'est que... Ouais, bref. Ah non, je viens de comprendre, non. C'est que... C'est quand même pratique pour casser la gueule des gens et... Surtout quand, quand le bout est créé... Enfin, il y a la craie, quoi, et que c'est vous qui le portez, quoi. Alors, vous êtes abonné à pas mal de journaux hebdomadaires de tendance. Alors, la reine Stickball illustrée, les Grove Journali. C'est Paris Soir, mais sauf que c'est Large Soir. Ah, c'est les seuls peut-être que vous connaissez. Merde. Ah, le reste, en général, le nom du magazine est sur la couverture, dans une manière. Avec une conception graphique de mort, qui est tel point que vous pouvez même pas lire ce que c'est le nom. Graphic design is my passion. Celui avec le graffiti d'une. d'une bête à muscles en train de vomir, ça parle principalement à propos de films. Ah là là. Le portrait obligatoire par décret impérial de l'héritière. Elle règne sur votre planète avec un point
d'une main de fer parfaite, avec une manucure parfaite. Vous savez qu'il y a une manucure parfaite parce que... elle vient de sortir un mémorandum impérial, un mème au Rondrome, à propos de son... de sa nouvelle manucure, quoi. Enfin, de ses... son vernis, etc. Machin. Les drones font le dehors font leur font son sale boulot. Elle aura un haut brillant de sang cette nuit. Le tout étant teinté de sang commun. Vous en êtes certain. Alors, si vous voulez sortir par là, vous serez une proie facile pour les drones avant que vous pouvez au moins arriver chez le titre avec Namek. Enfin, vous voulez dire sauver le jeu, et ouais, c'est ce que je voulais dire. Alors, en tant que sans de rouille, vous. La seule chose que vous êtes permis, c'est pas des disques circulaires, vous êtes juste des hexagones. Parce que les cercles circulaires sont quand même pas mal onéreux. Ouais, je préfère que ça parle de la météo quand même. Ça, c'est le canapé. Qu'est-ce que tu. Alors. Lunch planks. Ouais, tout ça c'est plein de slime soporifs donc. Ouais, des trucs du genre. Hein. C'est des surfaces horizontales confortables. Ah, qui sont faites pour s'asseoir ou pour les positions assises ou la impro. Vous couchez donc quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, votre bus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les frigos? On a donc des bols de céréales, on a des... Ah, des... des cylindres pour s'hydrater au jus de larve dans ces conteneurs cylindriques font du jus de larve utilisé pour s'hydrater et restaurer les réserves de pouvoir psychique. Alors vous prenez donc le cylindre de pour s'hydrater. Ouais, super. Vous avez besoin d'un petit restaurant pour votre stamina psychique comme ça. Dans votre main. Et au lieu de juste de pas l'avoir comme un gros nulos. Ah, il y a encore ça. Ah là là, le putain, la paille slow. Cold slow, ouais, c'est enfin c'est de la viande donc c'est faut dire du steak de la bavette de Bill, voilà. Manger des œufs de bêtes à caquettement est une bonne façon de remplir vos tubes d'acidique avec des parasites horrifiants qui à mon avis s'entendraient pas avec vos parasites sympathiques ou vos parasites bénins. Ah là là, des restes du larversaire, du dernier larversaire du tétraque d'un mec. Don't turn set for. Enfin, ah oui, d'accord. Il fêtera pas ses 7 révolutions pendant quelques mois. Mais vous vouliez au moins célébrer ça avec lui avant sa série de. Son série de souris de maturation.
toujours utile quand vous vous faire un souffler. Enfin, vous n'arrivez pas à faire ça, mais c'est quand même une partie importante de votre futur job. Donc. Ah là là. Votre agitateur de céréales, larve. C'est toujours utile quand vous voulez mettre des céréales larves non agitées dans le réceptacle agité d'agitation et être quand même content, enfin de profiter donc de larves de céréales larves qui ont été bien agitées. Merci. Vous n'avez pas encore de céréales larves agitées qui ont besoin d'être agitées dans votre agitateur. Putain, quel enfer. Quand tu le fais, de toute façon, c'est... Tu sais comme où aller. Alors, du coup... Oh, votre Lusus dort quelque part, encore de manière... Enfin, quelque part où c'est pas très sympa que tu dors là. Allez, réveille-toi. Oh. Ah, ça crache. Ou alors, il y a une animation qui se lance. Ah, il faut le changer, il faut mettre un nom. On va changer de nom, on va l'appeler... Voilà, grosse saucisse. Ce qui reste là, rien foutre, c'est une saucisse. Voilà, ils vont l'appeler saucisse. Saucisse is in the way, okay. Saucisse est dans le chemin. Pour changer. Ah, ça rend les choses intéressantes, je suppose. Hein. Vous demandez à saucisse de bouger. Au début, vous êtes amical. De toute façon, vous attendez à ce qu'il bouge facilement. Puis vous décidez de poli. Et un petit peu distant. Au final, vous êtes ennuyé, votre ton est plutôt ennuyé, puis ferme, puis définitivement ferme, et vous commencez à devenir pas content. Il y a rien qui marche. Vous pouvez pas vraiment le faire bouger, l'atteindre avec vos mots ces derniers temps. La seule chose pour laquelle il y en a quelque chose à foutre, c'est Slow Street, c'est les ça bouffe pour paresseux. Oh, regardez. C'est bientôt l'heure d'échapper à votre mort imminente. Ah, vous espérez pas être en retard, hein. Putain, mais quel enfer. Ah, c'est quoi ça? Ah, un playbook, donc un... Un guide pour votre position de centre bourgonde, donc de pousseur dans l'arena stickball. Ah, vous avez encore vos rêves d'être d'être un pousseur de renom. Et étudier ces jeux, ces clear plays. Ces styles de mort, enfin, ces styles trop bien. Ça va vous aider à vous amener au top. Mais bon. Votre heure sur le terrain. Ne vous a jamais vraiment vos attentes, quoi. Aussi, le plus proche que vos rites de maturation arrivent, la triste réalité vous fait comprendre que vous arriverez jamais à jouer de manière professionnelle. Ah là là, la vie de majordome, elle arrive, je supposais. Bon, du coup, on va prendre ça. Prenez le guide du pousseur. Maintenant, si y a une situation qui vous demande de vous souvenir d'un style de jeu particulier, bah, au moins vous êtes équipé. Les hommes, ce qui m'énerve. Allez, définitivement, vous allez garder un œil sur ce bouquin au cas où une telle merde arrive. Donc. Alors si je me souviens bien, normalement, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Ah oui. Papa. Ouais, ça pourrait vous aider. Alors, attends. Ah oui, d'accord. Tous ces styles de jeu compliqués sont tout ce que les poules pousseurs a besoin de savoir pour éviter de devenir une tache de sang sur le velours.
on va essayer de l'ouvrir. Allez, 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 la boule. Allez, la boule. Ouais. Ouais. Bam. Bref. Oh. Ah, maintenant, vous pouvez voir les Sloth Treats. Oh là, qu'est-ce que c'est des triviales. Heureusement que son métabolisme est si lent. Ah là là, les croquettes pour paresseux. Et ils sont à leur place, et du coup vous pouvez les attraper, enfin les prendre. Ah, vous avez pris les croquettes pour paresseux. Vous savez quoi faire avec ces choses, avec ces trucs là. Ça restaure tes pouvoirs psychiques, et voilà quoi. Allez, les saucisses bougent de là. Allez, vous lui avez donné la chose, le truc pour le faire bouger. Allez, saucisse. Oui, bon, d'accord. Il se lève. Putain, il est là. On défonce. Et bouge ton cul, saucisse. Et du coup... Ah. Alors, les choses ont l'air quand même pas mal... pas mal d'être quand même dans la merde, de la merde là, dehors, mais... Joe Alien a besoin de votre aide. Ah, il nous revient. Ah, un paquet. On dirait que ça doit être une software box, hein, une boîte prendre pour faire. Qu'est-ce qu'il a fait 3 tours. Oh, oh. Alors, Scratchway apporter tous les futurs messages à cet appareil sont protégés par une surveillance tierce. Comme offre unique et spéciale, tous les messages passés sont protégés. Est-ce que tu acceptes, est-ce que vous acceptez que vous êtes déjà sujet au terme et service? Bon, allez, on va dire oui. Oui. Et... Ah, on revient à jeu. Oula. Oh, c'est un cube. Hello. Bonjour. Salut. Hey Joey, c'est Joey, pas vrai? Oui, c'est vrai. Et tu es Xerox. Tu es Xerox. Non, je suis Xerifos. Ah, oups. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'on n'était pas supposé parler. Ouais, quelque chose de bizarre, c'est arrivé. Enfin, je pense que c'est bon maintenant. Et tu, quoi tu parles? Alors, en gros, est-ce que... tu as un symbole vert et blanc sur ta chat window. C'est quoi déjà chat window? C'est... Ah oui, c'est sur ta fenêtre de chat. Ouais, c'était pas là avant. Ok, ça veut dire qu'on est en sécurité maintenant. Enfin, du moins, à chatter maintenant. Oh, cool. Enfin, je sais pas que c'est quoi vraiment le danger, mais... je pense que je vais devoir te croire si j'ai un seul moi, si je veux, je dois espérer de me sortir de là de toute façon. Alors en fait, alors quelques mauvaises nouvelles sur ce sujet. Un missile a... comment ça s'appelle? A frappé mon nid et je suis enterré sous les débris dans mon jardin. Dans mon nano... jardinesque. Enterré. T'es enterré? Enterré? Tu vas bien? Oh, ouais, ça va.
Ah, je peux pas vraiment bouger et mon corps me fait un peu super mal. Mais... Et je m'inquiète un peu qu'un de ces drones va venir. Va descendre et m'abattre. Alors, c'est pas du tout ok ça. T'as besoin. C'est pas du tout allé bien ça. T'as besoin d'aide plus que j'en ai à ce moment. Oh, c'est bon, je veux pas trop être un fardeau. Mais j'allais dire quelque chose à propos de ça. Enfin, je veux dire. J'allais dire que j'étais désolé, je peux plus vous aider et qu'on est tous les deux coincés en attendant que. De savoir si c'est les flammes ou c'est les drones qui vont nous attendre en premier. Ouais, on s'en fout! Quoi? Je vais te sauver! Non, c'est moi. Je vais te sauver! Mais t'es pas coincé? J'étais, mais il y a un. Le missile, il a fait tomber quelques des boîtes qui étaient là et. Je pense que j'aurais pas pu les faire bouger de. Seul et. Donc, d'une certaine façon, ça a aidé. Des boîtes? Ouais, il est en train de bloquer hein, une conduite d'évacuation. Je vais grimper et je vais voir où ça amène. Waouh! Oh, t'es comme une héros de film d'action. Ah, je veux t'aider de la même manière que t'allais m'aider, quoi. Et, tu t'es en train encore plus de te mettre en risque, plus que, bah, que je me suis rendu honte. Ah, je répète, ah. Alors, je veux te le demander depuis un moment, mais ça signifie quoi, en fait, cette merde? Oh, bah, tu peux utiliser des lettres et des nombres pour faire une petite tête. Un mec qui m'a dit qu'il aimait bien quand je souriais. Alors, on a ça aussi d'où je suis, mais je sais pas trop ce que le X veut dire. Oh, c'est mes cornes. Tes cornes? Oui. Comme le type sur le screen server, c'est le, enfin sur l'écran quoi. Je pense. Enfin, c'est pas moi. Hein. Mais c'est genre des vrais. T'as pas de cornes? Je crois qu'elles étaient pas dans le cadre. Eh non, j'ai pas de cornes, enfin. C'est quoi cette question? Mais c'est trop bizarre! Et cool! T'es vraiment une alien! T'es vraiment une alien, plutôt. Je pensais jamais que j'en croiserais un. Eh bien, c'est ton jour de chance, hein. Enfin, je veux dire... C'est sûrement pas ton jour de chance, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ouais. La traduction approximative. Ah, j'arrive le plus rapidement que je peux, donc la fly. Ah oui, c'est vrai, les médecins, enfin les vétérinaires, mais n'appuie pas trop sur les blessures, essaye. Enfin non, justement, appuie sur les blessures, pique de pression, essaye de pas bouger. Ouais, c'est bon. Ah, et le poids des décombres hein, sur mon corps, appuie sur mes blessures et m'empêche de bouger. Non mais Xerox, enfin mon pote, on va vraiment devoir parler et essayer de parler à propos de ton compte de ce que tu considères comme étant ok. Elle a le smile hein. Alors conduit d'évacuation, mais une grille d'aération plutôt qui s'est révélée qu'on le missile a fait tomber des boîtes. Enfin, vous pourriez probablement vous y mettre. Vous en rentrer dedans si vous deviez. On va voir ça. Et voilà. Eh, ouais, j'ai réussi à traverser la grille. Waouh! Ah, c'est trop bien! Eh, mais merci, mais enfin, c'était quand même pas. Ça fait quand même peur, et en rétrospective, c'était quand même pas mal dangereux, hein! Ou comme dire que c'était plus dangereux que je m'y. Enfin, attendez. Eh, mais. Putain, je sais pas comment le reproduire. Ah, j'aurais pas ici. Enfin, ça aurait été quand même mieux que tu le fasses pas quand même. Oh, désolé. Non, c'est bien, mais... Enfin, les quirks, c'est un peu... Enfin, j'ai remarqué que t'en avais pas un, mais... C'est un peu des choses qui sont un peu...
unique et personnel, quoi. Enfin, je veux dire, ça va si c'est utilisé occasionnellement par quelqu'un de qui tu es proche, mais... Enfin, allez, je veux pas être trop offensé, mais je te connais pas encore très bien. Oui. Mais non, je suis désolé. Je vois. Je suis désolé. Je saurais quoi faire la prochaine fois. Non, c'est sûrement bizarre que je dis ça. Je suis désolé. Ah, tu pouvais pas savoir. Les effros, c'est d'accord que... Dire aux gens que... Bon, bah, y a quelque chose qui te dérange, quoi. C'est déjà mieux d'exprimer comment tu te sens. Que de pas te dire et que la personne, bah, je le sais pas, quoi. C'est-à-dire... Quand t'es d'être ami avec quelqu'un, enfin, qu'est-ce que ça serait, quoi, si tu faisais juste ça? Oh! Ouais, t'as raison! Alors, d'ailleurs, combien de débris qui sont sur toi, en fait, en ce moment? Je sais pas vraiment comment je vais te sortir de là, quoi. Ça va pas être compliqué si tu peux trouver mon overpad. Ah, c'est sûrement quelque part dans le coin. Je l'utilisais pour bouger mon Lusus, mais le tétrarque d'un mec l'a emprunté. Pour bouger des pistolets, je crois, ou peut-être c'est percussions. Oh, ah, c'est le mauvais timing, hein. Ah, je veux dire, ça faisait déjà plusieurs révolutions, donc ouais, c'est un peu la sienne, quoi. Ah, tu sais ce qu'ils disent, hein. Ton nid, c'est mon nid, hein. En fait, c'est un peu ce que dit le tétrarque quand il prend mes trucs. Alors, ok, c'est cool, mais il est où cet overpad? Ah oui, désolé. Non, mais je veux juste pas que tu saignes à bord. Je sais pas quoi quand tu tapes, hein. Je pense que c'est sûrement dans le studio du tétrarque au-dessus de son respite block, c'est. Je crois que c'est le nid, quoi, c'est le... c'est quoi déjà? Merde. C'est le bloc de repos, voilà. C'est son bloc de repos. Est-ce que tu sais où t'es, là, non? Alors, pas vraiment, mais y a plein de pistolets, c'est sale. On va dire qu'il n'y a pas de pistolet. Alors, je veux pas te rendre anxieuse, mais ça décrit à peu près tous les blocs dans le nid du tétrarque. Superbe. Ah, je t'enverrai des messages quand j'aurai fait un peu plus de progrès, je suppose. Ok. Je pense que je vais bientôt tomber dans le coma à cause de la perte de sang, donc j'ai plutôt qu'à attendre un petit moment. Tiens, bon, j'ai trouvé cet overpad. Et moi, je vais bientôt sûrement arrêter l'épisode 7. Putain, je comptais trop bien. Donc, T'as j'adore cette musique, en vrai. Donc, alors, mais je vais bien en évidence. Avec son grand sourire. Et on se dit... Salut!